Hein, Daniel? Oui, ça fait plaisir, c'est sûr. Daniel, on te retrouve dans quelques minutes dans Studio 4. Claude également, Gilbert aussi. Là, permettez-moi de vous quitter, de vous laisser là. Je sais que vous allez avoir envie de me rejoindre. Je vais simplement rejoindre une jeune personne belle qui a du talent. Vous allez l'apprécier. Oh non, 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 il y a les producteurs aussi qui y travaillent. Daniela Simmons. Daniela Simmons, c'est une belle aventure qui vous arrive. Vous êtes invitée parce qu'il y a eu un beau cadeau fin juin pour un jeu qui s'appelle La Grande Chance. La Grande Chance, une émission de Marcel Apotello. Oui. Et puis, vous êtes arrivé quelque chose sur un peu plus de 200 participants, je crois. 80 participants, 50 participants effectifs en télévision, et puis une gagnante. Et voilà, gagnante, vous avez remporté la palme parce que vous avez du talent, c'est l'avis de tout le plateau de Studio 4 ce soir. Mais je sais aussi que vous jouez un petit peu de piano, puisque vous composez, en l'occurrence, la chanson que nous allons entendre dans quelques instants. Alors, moi, il m'arrive de rêver que je joue du piano. Et ce n'est pas le cas. Mais dans mes rêves, je joue merveilleusement bien. Mais la clarinette, c'est autre chose. Mais le piano, c'est un instrument que j'adore. Et par exemple, si je vous demandais de me faire quelques petites notes classiques, vous pouvez, s'il vous plaît. Continuerait bien à entendre quelques notes comme celle-ci. Un petit clin d'œil au jazz pour faire plaisir à Claude Bolling, avec qui vous avez beaucoup parlé avant l'émission. J'ai beaucoup parlé avec Claude Bolling, j'ai beaucoup de plaisir. Il m'a encouragé effectivement à faire du jazz, à travailler un peu le jazz, parallèlement au classique, et j'en suis très contente. Mais le jazz, déjà, vous tâtez un petit peu, si j'ose dire, de cette musique. Exemple. Etc. Daniela Simmons, nous allons maintenant. Merci. Daniela Simmons, on va maintenant écouter donc ce premier 45 tours. J'ai toujours tendance à dire que c'est un premier bébé parce que je connais l'investissement que les artistes mettent dans un disque. C'est très important. Vous avez fait la musique, on parlera du parolier tout à l'heure. Ça s'appelle Une autre vie. Je lui souhaite, comme vous tous et vous toutes, une autre belle vie maintenant dans cette carrière du show business, du spectacle. Bonne chance, Une autre vie. Daniela Simmons. Je suis toute seule et je frissonne dans cet hôtel. J'ai mon âme qui m'abandonne, qui prend des ailes. Je connais déjà tout Lisbonne et même ses ruelles. Il n'y a plus rien qui m'impressionne et je me rappelle. Porte-moi vers des paradis lointains. Fais-moi découvrir l'amour jusqu'au bout. Dans le port font des taches étranges provoquant. Un capitaine aux cheveux d'ange, un peu truand, avait les mains de Michel-Ange sur mes hanches. Viens éclairer ma vie, je n'aime pas le noir. La nuit, je t'ai assainie. Au bout du jour, emmène.
Daniela Simons, un nom à retenir et bonne chance. Venez vous asseoir. Comme en un jardin du 17e de Monsieur Le Nôtre, eh bien nous allons bavarder un tout petit peu. Alors j'évoquais tout à l'heure le parolier de cette chanson, il s'appelle... Simon Vermont. Simon Vermont, il est journaliste. Hein? Il est journaliste, oui, sa profession est le journal. Bon, alors dans le domaine de la chanson, est-ce que vous envisagez, vous, de prendre un parolier définitivement, comme l'ont fait des Bécaud ou des Sardou, de tourner avec deux, trois paroliers, ou est-ce que vous avez envie de changer, de varier, puisque, je le rappelle, vous faites de la musique, et vous avez peut-être envie de varier un petit peu les sujets, les thèmes des chansons? Oui, je pense que c'est très important de varier, surtout dans le domaine de la chanson. Mais jusqu'à maintenant, j'ai composé les paroles, la musique, et si une fois je retrouve des mots pour lesquels j'ai un coup de foudre, peut-être je l'accepte volontiers. Me permettez-vous de vous souhaiter bonne chance pour l'avenir, et à très très bientôt, et d'autres bébés, et puis un album bientôt maintenant. Hein. J'espère bien. Ok? Merci. Daniela Simons. Il y a un an, lorsque nous avons démarré la saison 83-84 avec Alain Morisot pour Studio 4, nous avons pensé consacrer toute une émission à un homme que Alain aime particulièrement, en dehors de son talent scénique, mais aussi sur le plan de l'amitié, puisqu'il l'a accompagné longtemps. Il s'agissait de Fernand Reynaud. Nous avons consacré toute une émission à Fernand pour le 10e anniversaire de sa disparition, entouré de Raymond Devos, Sim, Bernard Allaire. Et ce soir, maintenant, nous allons retrouver Fernand avec un sketch qui a pour titre « Les croissants », car il y a une surprise derrière. Regardez bien le visage de Fernand Reynaud. « Les croissants ». Le voici pour vous dans Studio 4. Pour ce soir, parce que c'est un boogie-woogie maintenant avec quatre pianos. Monsieur Daniel Balavoine, monsieur Gilbert Montagnier, monsieur Claude Bolling, monsieur Alain Morisot et son orchestre, et mademoiselle Daniela Simone et monsieur Pascal Reynaud et votre serviteur. Bonsoir, merci Jean Beauvon et au mois prochain. Ciao.